sur l'événement des givrés. En fait, c'est un événement qu'on refait plusieurs fois dans la saison. Et donc, on a choisi ce type d'événement parce que c'est assez ludique pour les enfants. À partir de tout âge, ils peuvent s'amuser dessus. On est sur un parcours d'obstacles, en fait, parcours d'obstacles d'agilité. Il y en a, c'est la réflexion, il y en a, c'est du tir. Donc, c'est assez varié, ça peut correspondre à tout le monde. Commence avec les bras, pour ne pas basculer. Mais c'est vraiment technique, on croit que c'est facile quand on voit comme ça, ça vient. Mais... Bah, j'ai fait le parcours entier. En entier? Oui. T'es tombée? Ouais, juste à la fin. Ouais, il faut un peu se concentrer parce que c'est un peu compliqué, mais... Après, c'est facile. Qu'est-ce que t'as préféré? Les corps. Donc là, on doit traverser des fils électrifiés. Hein. Bon, évidemment, on n'a pas mis l'électricité parce qu'on leur fait croire que c'est électrique. Le but du jeu, c'est de traverser les fils sans les toucher. Donc ça, ça demande déjà une observation au départ. Par où je vais passer pour trouver le meilleur chemin pour ne pas toucher les fils. Ensuite, on a des poules d'équilibre. On a des bosus qui permettent justement de faire la transition entre chaque atelier. Toujours équilibre avec aussi des poutres qui bougent ou des ballons qui bougent pour que les enfants les évitent. Hein. Donc toujours la coordination. Ensuite, on a des ateliers d'adresse hein, où ils doivent monter, trouver un point de force, etc. Sur des grappins ou des filets. Le but du jeu, voilà, c'est d'essayer de traverser les différents ateliers, soit en utilisant la tête, donc la réflexion, l'équilibre, la coordination, la force, la vitesse. Donc c'est ça qui est intéressant. On a profité des givrés pour venir faire un petit tour pour sortir les enfants. C'est sympa, ça les occupe, ça les met dans l'effort, tout ça, c'est bien. Oui, ça leur donne de l'adresse, un peu de sensation, tout ça. Bonjour, je m'appelle Gabriel. Salut à tous ici. C'est trop bien. On fait du baby foot humain, on fait un mini Koh-Lanta, on fait de la tyrolienne et des arts. On a découvert ça sur le bulletin des activités de la semaine et c'est pas mal, c'est géré, donc c'est sympa, en plus c'est gratuit, donc les enfants s'amusent bien. Il y a quand même pas mal d'activités au sein de la station et voilà, on va skier tous les jours, donc le matin et l'après-midi on fait les activités ici. Ça change un peu du ski, c'est plus relax pour vous. Ouais, ça fait du bien aux jambes.